Voilà, Isabelle, c'est formidable, c'est un psy qui fume. Voilà. Mais elle n'est pas en séance. Bon, Isabelle, un sujet dont j'ai entendu pas mal parler, effectivement, autour de moi, on peut en parler de manière médicale, mais là, c'est la réponse du psy, bien évidemment, qui est importante. C'est le sujet de est-ce qu'on fait l'amour, est-ce qu'il convient de faire l'amour quand on est enceinte? Alors oui, la réponse médicale, c'est évidemment vous pouvez faire l'amour en étant enceinte. À moins que votre partenaire ait un sexe énorme et vous fasse l'amour comme une brute, peut-être que le dernier mois, c'est pas indiqué. Mais bon, mais à part ça, évidemment, c'est est-ce que la femme a envie de faire l'amour? Généralement, en termes de libido, la grossesse est plutôt favorable, les hormones et tout ça. Voilà. Par contre, du côté masculin, souvent, voilà, il y a des hommes que ça déstabilise. Parce que c'est toujours cette image de la mère avec un grand M. Mmh. Et voilà, qui peuvent être un peu perturbés dans leur libido quand la femme est enceinte. Et en même temps, si le couple se parle, ça se dit et ça s'évacue assez vite. Et puis il y a des hommes aussi qui ne. Comment dire, qui ne vont pas être désirants pour une femme enceinte. Enceinte, c'est-à-dire que ça se voit. Et puis, il y a des femmes qui ne vont pas avoir envie non plus. La réponse du psy, c'est ça dépend des gens. Et ce qui compte, c'est qu'ils fassent ce qui est en accord avec eux-mêmes. Et surtout qu'ils en parlent entre eux. Surtout que le couple en parle. Merci Isabelle. J'aime bien cette réponse.